Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique La Une des titres de ce lundi 20 novembre 2023 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est le quotidien Le Grand Regard qui ouvre le bal de ce numéro. À la une, prière politique à Parakou, Boni Yayi poussé vers un nouveau gouffre. Des détails à la page 3 de ce quotidien, on lit ceci. À peine l'ancien président Boni Yayi est porté à la tête du parti Les Démocrates que des vieilles pratiques pouvant causer sa chute s'observent. Des jeunes militants animés d'un zèle débordant tentent de le pousser dans les erreurs du passé à travers des initiatives mal inspirées et dépourvues de sens. Ainsi, le week-end écoulé, la commune de Parakou a servi de nouveau point de départ à l'organisation des séances de prière politique à l'endroit du nouveau président du parti, Les Démocrates. Loin d'être un soutien spirituel apporté au numéro 1 de l'opposition, cette initiative est la résurgence des facteurs qui ont ouvert la porte au grand désordre sous le règne de Boni Yayi à la tête du Bénin. Toujours avec le même quotidien, au sujet de la transmission du budget de l'État exercice 2024, le député Abdel Kamel Ouassagari se trompe devant la Cour constitutionnelle, écrit le quotidien à la page 2 de sa parution. Et pour finir avec ce quotidien, information sportive. Éliminatoire Cannes Mondial 2026, le Bénin trébuche face à l'Afrique du Sud, informe le quotidien Le Grand Regard dans sa parution de ce lundi 20 novembre 2023. Passons à présent au quotidien La Tribune de la Capitale, La Tribune de la Capitale qui affiche à la une. Après la présentation par l'Agence nationale du projet de loi des finances gestion 2024, le balai des ministres au Parlement a parti de ce jour pour le budget sectoriel. Il était au Parlement ce vendredi, non seulement pour présenter le budget général de l'État, gestion 2024, mais également pour disséquer le sien. Un exercice qui a duré des heures à l'hémicycle pour Romuald Ouadahi, l'agentier national, compte tenu de la pile de questions à lui poser par les députés de la 9e législature. Au demeurant, le ministre des Finances s'en est sorti à bon compte. Ci-dessous, le budget général de l'État, c'est à lire dans les colonnes de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique La Une des titres de ce lundi 20 novembre 2023 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.